quand on est né au Teil d'une famille de Lafarge, c'est vraiment toute une tradition et Lafarge anime pratiquement le quotidien. C'est surtout enfin, l'image que renvoie l'usine de l'extérieur. On la traverse souvent pour aller à Viviers, la carrière, on la voit. Les camions, enfin, on baigne autour de cette ambiance-là. Maintenant, je n'avais pas connaissance à l'époque du détail de la fabrication du cidre. Mon papa travaillait à l'usine du Teil, à la maintenance mécanique. Ma maman était secrétaire au laboratoire central de Viviers. Et mon grand-père était à l'usine du Teil, au magasin, et mon arrière-grand-père aussi. J'ai été embauchée au centre de recherche à l'île d'Abo. Ça a été mon premier poste, j'y suis restée presque 7 ans, au service ciment, pour faire de la recherche à l'époque, qui était un peu de la recherche fondamentale sur le ciment. Et après l'île d'Abo, donc je suis partie sur le terrain, à la direction commerciale, pour faire de l'assistance technique auprès des clients. Parce qu'une chose d'un peu frustrante quand on travaille en recherche, en laboratoire, c'est qu'en fait, on sort jamais du labo. Donc on est amené à travailler sur des nouveaux matériaux sans en avoir jamais vu en vrai couler sur le terrain. Donc ça, c'est un côté un peu frustrant. Et c'est pourquoi j'ai voulu aller sur le terrain pour voir comment nos matériaux se mettaient en œuvre en vrai et pas dans un laboratoire sur le terrain. C'est vrai que le monde du bâtiment, du BTP, des matériaux, et bon, la farge, comme beaucoup d'autres, c'est quand même un monde d'hommes encore pour l'instant. Mais ça évolue. En centre de recherche, au laboratoire, il y avait quand même beaucoup de femmes. Mais quand je suis arrivée sur le terrain, j'étais fascinée, impressionnée par le fait d'arriver sur un chantier et puis de se retrouver au milieu de 10 maçons qui vous regardent descendre de la voiture. Et voilà, il faut arriver à être crédible auprès de ces gens-là. La chaux blanche est le produit phare, hein. Ça représente le gros de notre fabrication et de notre commercialisation. Et le chouchou, ça serait peut-être celui qu'on vend le moins, c'est la Crealis, qui elle est vraiment encore plus réservée aux travaux de rénovation sur des supports tendres. Donc le pisé, le torchis mélangé avec la paille, avec le chanvre, c'est celui qui se rapproche le plus de l'air du temps par rapport à la rénovation avec des produits écologiques.